Tout d'abord, faire un premier bilan. 10 ans, ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur ces processus d'une importance fondamentale pour toute la région. Et ça me paraissait nécessaire de faire un point d'étape. C'est un bilan d'étape parce qu'évidemment, les processus en cours ne sont pas terminés. Deuxième choix que nous avons fait, c'est au moment de l'élaboration du sommaire, est-ce qu'on essayait de faire un bilan pays par pays, ce qui aurait été totalement vain, et puis un volume n'y aurait probablement pas suffi. Donc nous avons décidé d'opter pour une démarche transversale, c'est-à-dire de reprendre les grands thèmes, les grands dossiers qui ont été débattus et qui ne sont pour certains d'entre eux toujours pas réglés et qui traversent la vie politique des pays de la région. Ainsi par exemple la question de l'islam politique, ainsi par exemple la question de la situation économique régionale, ainsi par exemple l'importance et la situation des appareils de répression sécuritaire, etc. Et je pense que en procédant de cette façon transversale, on a réussi à globaliser les enjeux, les défis qui traversent certes avec des spécificités nationales chacun des pays, mais qui en réalité se posent à tous les pays de la région, même si de façon particulière et singulière. Principale leçon que nous pouvons tirer, c'est que toutes celles et tous ceux qui, avant le début de ces mouvements, prétendaient que décidément, les mondes arabes étaient totalement réfractaires à tout mouvement de contestation, contrairement à ce qui s'était passé en Afrique subsaharienne, en Asie, dans l'Est de l'Europe, eh bien se sont trompés. C'est-à-dire que les mondes arabes ne font pas exception au mouvement général des peuples à travers le monde, et que la chose la plus importante depuis lors, c'est que le mur de la peur, il n'a pas été abattu, il a été lézardé, mais c'est extrêmement important. Bien évidemment, les résultats concrets, précis, 10 ans après le début de ces mouvements de contestation, ne sont pas à la hauteur des espoirs qui avaient été fondés en 2011. On est bien loin du compte. Et puis, nous avons assisté à des situations de tragédie absolue. Je pense à la Syrie, je pense à la Libye, je pense au Yémen notamment, ou aux régressions en Égypte. Mais pour autant, les peuples de la région ont compris, ont vécu la possibilité de chasser des tyrans, de briser ou d'affaiblir des régimes autoritaires. Et c'est ça peut-être le plus important. Oui, effectivement, ils ne sont pas terminés parce que beaucoup ont parlé, après avoir utilisé et abusé du terme de printemps arabes, beaucoup ont aussi parlé d'hiver islamiste. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ces concepts, avec ces caractérisations, et je pense que la séquence politique qui a été ouverte en 2011 n'allait pas refermer, bien loin de là. Et d'ailleurs, nous en avons eu la preuve en 2019, lorsqu'il y a eu une résurgence dans nombre de pays, l'Algérie, le Soudan, le Liban, l'Irak, de ces mouvements de contestation. Alors malheureusement, ceux-ci ont été stoppés à cause de la crise de la pandémie de la Covid-19. Mais pour autant, je suis et reste persuadé que, comme aucun des enjeux qui avaient été là à la racine des mouvements de contestation il y a 10 ans n'ont été réglés, il n'y a pas de raison que sous des formes variées d'ailleurs, eh bien ces mouvements ressurgissent. Et le grand défi qui va se poser à ceux-ci, pour qu'on puisse se projeter de façon un petit peu plus optimiste quant à l'avenir de la région, c'est probablement la question de l'organisation. Le manque de tous ces mouvements, c'est celle de l'organisation, sous forme de mouvements, de syndicats, de partis, car on comprend bien que cette formidable énergie de contestation qui a été mise en œuvre n'a pu en réalité aboutir aux objectifs et aux revendications qui avaient été posées par manque d'organisation. Il y a bien sûr un autre facteur, mais qui est lié, c'est la puissance des appareils de répression qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ont eu une influence pour le moins néfaste dans tous les pays de la région. Donc voilà les deux grands défis qui se posent, parmi beaucoup d'autres, mais ceux-là sont essentiels si on veut espérer que dans les 10 prochaines années, eh bien, ces mouvements puissent aboutir à des victoires notables.